Au pied du mont Ventoux, à l'extrême sud-est de notre région, Buis-les-Baronnies, 2300 habitants et son maire. Nous l'avons suivi pendant toute une journée. C'est une habitude. Bonjour messieurs, dames. Ça va ? Ça va Daniel ? T'as la pêche ? Comment allez-vous ? Ça va ? Quasi chaque matin, le maire du village prend son petit déjeuner au bistrot. Je vais être franc. Je suis divorcé, je ne sais pas faire la bouffe, je suis toujours à la bourre. Donc le matin, venir dans le bar, rencontrer les amis, la population, prendre le pouls de la population, et je suis ici, les gens ne se rendent pas compte de ce qui est dit. J'entends, j'en tiens compte. Des fois très peu, j'interviens. Mais c'est là qu'on entend les récriminations, la mentalité, pourquoi ils ne sont pas contents, ce qu'ils reprochent, ce qu'ils demandent, et c'est fréquent. Un quart d'heure plus tard, direction la mairie, pour une matinée bien remplie. Bonjour Christine. Premier rendez-vous, un agriculteur demande un coup de pouce pour obtenir de nouvelles terres agricoles. Puis rencontre avec un policier municipal pour faire le point sur la sécurité dans la commune. Un peu plus tard, une petite réunion pour évoquer les travaux dans le village. Après un rapide déjeuner, le maire quitte Buis, une demi-heure de route pour rejoindre le siège du parc naturel régional des Baronnies. Elle est pas belle cette montagne là-bas ? Oh là là ! Quel cadre ! Alors, si vous une structure bien... qui regroupe 87 communes rurales, un outil pour le développement des Baronnies provençales. Bienvenue au nom de tout la commission Tourisme et Sport Pleine Nature. Le maire de Buis est l'un des grands défenseurs de ce parc. Tout le temps, nous disons, comment faire pour que le monde rural ne crève pas? Eh bien, on a la chance d'avoir des fonds qui peuvent abonder les hommes, des chargés de mission, des organismes, pour à la fois préserver l'environnement et permettre aux gens de vivre dignement. Début de soirée, mais pas question de repos pour le maire. Ce soir-là, il présente ses vœux aux commerçants de Buis. On va mettre 5-6 rangées. Vous êtes les forces vives du monde économique de Buis-les-Baronnies, agriculteurs, artisans, commerçants. Un discours sans papier et une fraîcheur intacte après 12 heures de travail. Ce maire est quasi disponible 24 heures sur 24. Son indemnité, 1 800 euros net par mois. Même si cela paraît peu, c'est suffisant selon lui. L'argent est important. Enfin, ce n'est pas le moteur principal. Hein. Pas des coups de fatigue, de blues si. Parfois? Si, le blues, des fois quand tu es seul, des décisions, tu ressasses la nuit. Mais je crois qu'on repart vite, parce que moi je suis un homme d'action et l'ancien stress est chassé par de nouvelles activités. Non, je suis très serein et je me sens bien. Ce soir-là, la journée du maire s'est terminée vers 22h30.